Mardi, le Seigneur m'a dit que quelqu'un ici avait le sida et Dieu l'avait guéri. Vous vous rappelez? Il y a quelqu'un ici qui souffre du sida depuis des années. Va faire des examens demain. Demain, tu peux, va faire les examens. Il y a une guérison divine là. Il y a une guérison divine au nom de Yeshua, notre Seigneur et Sauveur. Alléluia! Je vais inviter cette femme que Dieu a guérie, qu'elle vienne. Wow! 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 Vous vous rappelez, on a prié pour elle devant ici, l'esprit de mort est parti. Bonsoir, donnez-nous le micro là. Je suis dépassé. Bonsoir. Bonsoir. Je m'appelle la sœur Olga. Je suis venue mardi ici parce que j'ai pris depuis. Mais j'ai ce sida-là. J'étais avec le père des enfants. J'ai deux enfants. L'autre a 13 ans maintenant. Elle, la petite, est avec moi là, qui a 5 ans. Donc, j'étais avec lui. Je vivais avec lui. Maintenant, j'ai eu la grossesse et la petite. Maintenant, je fais des examens. J'étais bien. Maintenant, en accouchant, j'ai bien accouché, j'ai allaité tout. La petite était là. Maintenant, ça n'allait pas toujours dans la maison. J'allais toujours des églises en église. Mais lui, quand il vient, il dit, oui, tu es toujours en train d'aller dans les églises. Tu cherches quoi? Et tout. Et machin, tu cherches quoi? Et moi, maintenant, il nous prend, il nous dépose avec les enfants. Quand on finit, il vient nous prendre. Partez toujours dans votre église. Moi, j'ai mon église là où je pars. Maintenant, un jour comme ça, je ne sais plus les années, je dors, le Seigneur me révèle la première, la fille. Dans le songe, le Seigneur me dit que me montre le visage, mais ne me montrait pas, me montrait l'enfant. Il dit que maman, là où tu es là, tu as le sida. Dans le rêve, je songeais haut. Il dit que oui, maman, papa t'a donné le sida. Après, elle m'a donné, j'avais une fourchette. La fourchette, il y avait le signe de la croix de Jésus devant. Et derrière la fourchette, il y avait un signe bizarre, des signes de secte bizarre. J'ai jeté la cuillère comme ça dans le sol, la fourchette. Il dit, oh, mais papa mange avec ça, maman. Tu sais pas que papa mange avec ça. Il a dit que tu as le sida. Le sida, là, tu ne pourras jamais guérir de ça. Même si tu vas aux États-Unis, partout tu iras, tu ne guériras pas de ce sida. Mais là, tous les jours, c'est, regarde comment tu maigris. Tu manges comme si tu ne mangeais pas. Les enfants venaient bientôt, votre mère va mourir. On m'a amené au CTA avec les mêmes frères et tout. On m'a fait les examens avec les deux enfants. Les enfants n'avaient pas. Lui n'avait pas. C'est moi qui avais. C'est comme ça que ils m'ont prélevé, ils m'ont mis les machins. J'ai dit, ah Seigneur, je suis sorti du péché là où j'étais là-bas, je suis venu au terrain familial là-bas. J'étais là avec les enfants. Et là, tu as les examens j'ai d'avant les, oui, j'ai les examens faites, d'avant. Faites voir un peu là. Les examens d'avant. Ça, c'est les examens d'avant. Là, c'est même ce que j'ai pris. Même les médicaments, quand je les buvais, amène les médicaments. Va chercher les médicaments. Amène ce médicament là. Dépistage volontaire. Ça, c'était pour les enfants. Oui. Okay. La petite et la grande. Ça, c'est pour... Ça, c'est pour moi. OK. Bon d'examen sérologique, VIH, positif. Voilà, ministère de la Santé publique, l'hygiène publique, voilà, programme de lutte contre les IST et également SIDA. Positif. Alors, maintenant, suis partie. Après, quand l'homme de Dieu, je suis, l'esprit, j'avais l'esprit de mari de nuit parce que j'avais le dos qui faisait comme. Et comme s'il était en train de combattre.
les trucs qui étaient dans le sang, dans le corps. Ils étaient en train de combattre toute la semaine. Ça piquait même dans la chair, dans la tête. Je prenais maintenant la livre. Je grattais tout le corps grattait. Je grattais. Même quand l'homme de Dieu a prêché à l'assemblée là-bas de Job. J'étais maintenant comme Job. Je ne dormais pas les nuits. Je grattais comme si ça se battait maintenant. Les trucs étaient en train de se battre maintenant dans le corps. Maintenant, quand l'homme de Dieu, le frère a parlé, c'est là où j'ai pris l'enfant, on est parti. Le matin, je dormais, le Seigneur me dit que lève-toi, prends l'argent, va au cabinet de groupe là-bas. Parce qu'il me dit, je vais t'amener au cabinet de groupe, je te fais les examens. Le Seigneur m'a dit, va, prends l'enfant. On est parti, on s'est habillé, on est allé. Je suis allé au secrétariat. Oui, madame. J'ai dit oui, je suis venu faire le dépistage. Je vais savoir mon statut sérologie. Je vais faire le test du sida. Elle m'a dit, vous avez le bon d'examen. J'ai dit, je n'ai pas le bon d'examen. Madame, je veux toujours savoir. C'est comme ça que elle a appelé le docteur. Le docteur a répondu là-bas. C'est là où elle m'a rempli le fil. Je suis allée avec l'enfant. Je suis allée après. On m'a examiné. Je montais avec l'enfant. C'est là où la petite, comme elle a 5 ans. Elle dit, maman, on marche. Elle dit, maman, mais tu es déjà guéri? J'ai dit amen. C'est là où on marchait. On a même en route, j'avais déjà ouvert l'enveloppe. Comme l'enveloppe n'était pas fermée, j'ai ouvert. Et c'est comme ça qu'on sautait maintenant en route avec l'enfant. On courait maintenant. J'ai développé négatif. Je suis allé monter. Donc, tu as fait cet examen quand? Tu as fait ça mercredi 22 février. Nous sommes vendredi, donc j'ai fait ça mercredi. La prophétie est sortie mardi. Frères et sœurs! C'est bon? Donc, mes femmes, ta foi t'a guéri grâce à Jésus-Christ de Nazareth. Va et ne pêche plus. Amen. Wow! Et William, tu la connais cette dame? C'est une histoire qu'on connaît. C'est ma tante. Ce n'est pas une histoire d'aujourd'hui. On le sait dans la famille. Elle est guérie. Alléluia! Jésus continue de guérir. Ce n'est pas seulement dans la Bible, même jusqu'à aujourd'hui. Il continue. Amen! Il est le même. Il est le même. Hier, aujourd'hui, il est le même. Éternellement. Il est le même, il est le même.